Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la journée à venir. Donc pour ce tirage, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur le plan général et sur le plan sentimental. Donc on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes entouré des personnes qui vous sont chères, de vos animaux et que vous êtes dans de belles énergies. Et en tout cas, pour ma part, c'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque jour. Ça me touche énormément. Vos messages, vos j'aime, votre investissement pour la chaîne me touche énormément. Alors, quels sont les messages qui vont vous accompagner? On a l'enfant intérieur, la prière et la révélation. Alors, aujourd'hui, à venir ici, on nous parle d'une révélation. On nous dit que vous allez réaliser quelque chose intérieurement. Il y a quelque chose qui arrive comme un coup de foudre pour vous, comme une révélation importante. L'enfant intérieur vous dit que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à une certaine nostalgie, à ce que vous avez traversé. Donc il y a un lien avec votre enfant intérieur, ce qui a été compris, ce qui a évolué dans une situation, tout ce qui a été dépassé jusqu'à présent. Et l'enfant intérieur vous reconnecte vraiment à votre sensibilité, à vos émotions intérieures. La prière, c'est aussi une reconnexion qui va se mettre en place. Et on nous dit que quelque chose est révélé par rapport à ça. Alors, à travers la prière, vous allez recevoir également des messages intérieurement. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre ange gardien, à vos guides, à travers une révélation importante. Donc ça, c'est les messages qui vont vous accompagner. On va voir ce qui ressort pour vous sur le plan général. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on a la carte de l'ermite et on a le 10 de bâton. Le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ici, nous parle d'une période où, pendant votre sommeil, vous recevez des messages importants. Hop, on va poser une carte ici, une ici et une ici. On en a deux qui sont venues. Alors la situation actuelle, on a le roi de bâton. Le roi de bâton a ses idées, a sa passion. Donc cette carte représente votre énergie, ce que vous apportez. Et on voit que pour cette journée à venir, vous apportez vos idées, votre créativité, vous décidez de créer quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée que vous avez à l'intérieur de vous. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va s'exprimer autour de vous, dans lequel vous allez vous exprimer avec beaucoup de passion. Ensuite, on va voir quels sont les obstacles. Alors, les obstacles peuvent être le fait que cette idée va avoir besoin d'apporter du renouveau à l'intérieur de vous. Vous allez avoir besoin de créer de nouvelles choses à l'intérieur de cette idée pour commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, on va voir quelles sont vos aspirations. Vos aspirations, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe laisse derrière lui beaucoup d'émotions, peut-être un conflit intérieur, un conflit émotionnel, mais on voit que vous prenez conscience de quelque chose qui est à libérer intérieurement, au niveau d'un conflit émotionnel, au niveau de sensibilité, au niveau d'émotions qui sont en vous. Vos aspirations, c'est de pouvoir libérer ce conflit intérieur. Ensuite, on va voir ce qui doit être activé. On a le 6 de coupe. Je vais juste retourner toutes les cartes pour voir l'énergie, mais on ressent bien qu'aujourd'hui, pour cette journée à venir, il y a bien quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel. On a le 6 de coupe ici qui nous parle d'une certaine nostalgie, de quelque chose qui vous relie à votre enfance, à ce que vous avez traversé. Ça peut être en lien avec votre famille aussi, aux personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui doit être dépassé au niveau émotionnel. Vous sortez d'une situation au niveau émotionnel et vous prenez conscience d'une idée qui doit être apportée, de quelque chose qui doit être créé. Le soleil ici vous parle d'abondance, donc vous allez franchir un cap qui vous permet d'atteindre la réalisation de vos projets. À partir de quelque chose qui est créé, à partir d'une idée, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est vraiment, je sens vraiment un nouveau départ. Je sens qu'à l'intérieur de vous, vous décidez de commencer quelque chose de nouveau. Le 9 de denier ici, avec cette carte, vous parle du fait que vous allez réaliser quelque chose, vous allez accomplir quelque chose. Ça peut être dans vos idées, dans ce que vous souhaitez créer, mais on voit que vous réalisez quelque chose qui est important pour vous sur différents plans. Ça peut se ressentir sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, mais il y a bien quelque chose qui est créé avec de l'abondance, avec des idées.
Donc ça, c'est les énergies que je perçois pour aujourd'hui. La carte de l'ermite, ici, avec le 9 d'épée, nous parle d'une période où, pendant votre sommeil, vous ressentez des messages qui viennent à vous, des messages intérieurs, qui sont en lien avec une période d'introspection. Donc il peut s'agir de messages qui viennent à vous, d'un travail intérieur, quelque chose qui est entrepris dans votre inconscient, dans ce que vous ressentez. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort pour ce jour à venir. Quelles sont les énergies? On a la gibbeuse décroissante. On a le signe du bélier. Et nous avons la gibbeuse croissante. On retrouve deux polarités. On retrouve son mental et ses émotions. Donc il y a bien le dépassement d'un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel. On voit ces deux lunes, ces deux gibbeuses qui sont dans une énergie où elles évoluent, où elles avancent. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez décidé d'avancer sur un projet, sur une réalisation, sur quelque chose qui est important pour vous. Le signe du bélier ici vous dit qu'il y a du dynamisme. Il y a quelque chose qui amène à ressentir des énergies de passion, de fougue à l'intérieur de vous et quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui croît, qui évolue petit à petit, qui prend forme à l'intérieur de vous dans ce que vous ressentez. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir quels sont les messages pour vous. On a la résolution pacifique, affirmez-vous, et il y a quelque chose de mieux. Il y a une affirmation, il y a quelque chose que vous décidez d'affirmer. On sent que vous êtes plein de passion, plein de fougue, plein de dynamisme et qu'il y a une idée aussi de résoudre une situation, de libérer un conflit émotionnel. Il y a quelque chose de mieux, donc il y a une libération intérieure qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose qui va vous permettre de créer votre chemin, de libérer intérieurement ce que vous ressentez. Cette carte au centre vous dit qu'il est important que vous preniez conscience de vos possibilités, de vos qualités, de vos défauts pour pouvoir avancer. Mais il s'agit d'une période où vous résolvez quelque chose dans une libération intérieure. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on a une carte qui est retournée, qui est la carte du grand changement. Ensuite, nous avons l'union et l'engagement. Nous avons la rencontre lors d'une sortie. La relation karmique, le cadeau, la communication, la différence d'âge et on va recouvrir cette carte parce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait blocage au niveau de communication. Peut-être un lien qui a été coupé. On nous parle de quelque chose qui, sur le plan émotionnel, a besoin d'être compris aujourd'hui. Alors, ce que je perçois, c'est qu'il y a une évolution vers une réunion. Il s'agit de retrouvailles. Ici, on ressent cette énergie où vous allez retrouver une personne importante par rapport à des liens karmiques. On nous parle ici d'un nœud karmique, quelque chose qui a créé des blocages. Ça peut être par rapport à une différence qui a été ressentie au niveau émotionnel. Mais on sent bien qu'il y a des aspirations pour un épanouissement, pour une entraide, pour un partage. Il y a des communications à venir, il y a des échanges à venir lors d'une sortie. Je pense que ici, il s'agit vraiment de retrouver la personne de son cœur avec le fait de partager des moments avec cette personne. On nous parle de partage, on nous parle du fait que vous allez profiter d'un bon moment, d'un moment de tranquillité pour ressentir une situation à l'intérieur de vous. Il s'agit de grands changements. C'est vraiment, cette carte symbolise le nouveau départ. Et on nous dit qu'il y a une évolution vers une réunion. Il s'agit ici d'un couple sacré, d'un couple qui ressent vraiment des énergies où il y a beaucoup d'émotions, où il y a beaucoup de sensibilité, où il y a une forte connexion. Et on nous parle par rapport à ça d'échanges, d'ouverture, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui a été important et qui a besoin d'être libéré.
Ici, il y a une belle surprise. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous permettre d'avancer. Avec beaucoup de romantisme, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. Il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Donc, je vais recouvrir ces cartes. On a la carte du masque. On a l'amour véritable. On a la relation toxique. On a l'attraction, l'affirmation de soi, les finances, la rencontre par le travail, le message et les conflits. Alors, on reçoit un message après une période de conflit. On nous parle également ici de quelque chose où on ressent une forte attraction. Peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré aussi. On va avoir besoin de comprendre une situation. Ça peut être également quelque chose au niveau de l'abondance que vous créez par rapport à cette relation, de ce que vous pouvez apporter. En tout cas, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous paraît toxique. Il s'agit également d'affirmation de soi, de pouvoir ressentir de l'attraction, du magnétisme à l'intérieur de soi. Il s'agit de quelque chose qui est en lien également avec votre carrière, en lien avec un message que vous allez recevoir. Sur le plan professionnel, on nous parle de quelque chose que vous allez recevoir comme quelque chose qui vous attire dans une énergie. Il y a vraiment une situation où vous libérez quelque chose, vous libérez un changement. Alors, on va continuer avec le tirage pour voir ce qui ressort. Alors, sur le plan sentimental pour vous. On a très bientôt. Cela vaut la peine d'attendre. Et la relation karmique. Le lien karmique est ressorti deux fois. Donc il y a un nœud karmique qui a besoin d'être libéré dans un pardon, dans une compréhension. Et on voit qu'ici, il y a des moments de partage. Il y a des moments à deux, quelque chose qui arrive pour vous, une énergie vraiment d'arriver dans une situation par rapport à une période d'attente, par rapport à quelque chose qui a demandé du temps, de l'investissement. On vous dit très bientôt, il y a quelque chose qui est en lien avec votre karma, ce que vous avez traversé jusqu'à présent, qui est en lien avec vos énergies, ce que vous souhaitez apporter. Il y a une période de pardon qui se met en place, dans laquelle vous allez apprendre de nouvelles choses, apprendre à reconnaître cette personne, à reconnaître son énergie, vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de ce lien. Mais il y a bien une période d'attente en lien avec quelque chose qui est karmique, une personne que vous avez déjà connue dans votre passé et qui ressurgit à vous, qui revient à vous pour vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme si vous enrichissez vraiment ce que vous ressentez intérieurement par rapport à quelque chose qui est karmique à l'intérieur de vous. Alors, je vais continuer ce tirage. On va prendre celui-ci. Nous avons le nom. Nous avons « Attendez-vous à un signe ». Donc, il y a un signe qui vient sur quelque chose qui a besoin d'être libéré. On nous parle de signes, on nous parle de messages dans lequel vous allez obtenir plus d'informations, plus de signes, plus de messages en lien avec une situation. Mais il y a quelque chose qui va vous apporter des réponses intérieures, des réponses, des messages importants et qui va vous permettre de libérer une situation. Il y a beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de clarté, quelque chose qui est plus clair pour vous, quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques pour voir quelle énergie va nous accompagner. Ah, on a cette breloque qui est tombée « I love you ». Donc là, on nous dit « quelqu'un vous aime, quelqu'un pense à vous en ce moment ». On a la breloque qui ressort dans votre état d'esprit. Vous, vous êtes en train de vous éveiller au niveau spirituel, au niveau d'une purification. Vous êtes en train de vous purifier intérieurement et de purifier vos énergies. Au niveau familial, il peut s'agir de faire tomber les masques. Il peut s'agir d'une situation où on fait tomber les masques. On nous parle d'une période où vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose qui rétablit une injustice, quelque chose qui vous a touché.
Au niveau familial, il y a un coup de fil. Il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver une solution, d'apporter des réponses intérieures. Et on nous parle de la lettre L et la lettre B au niveau familial. On nous parle d'une protection par rapport à ça. Peut-être d'un sentiment d'injustice dans lequel vous allez trouver une solution. Au niveau des finances, au niveau financier ici, on nous parle d'une attente par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez pour vivre votre rêve, pour déployer vos projets financiers. Au niveau sentimental, on nous parle d'une période qui vous apporte un ancrage. On vous dit de vivre vos rêves, de vivre ce que vous ressentez. On retrouve l'encre avec le cœur, qui vous apporte un ancrage, qui vous apporte une stabilité. Au niveau d'un voyage, il peut s'agir d'une période où vous avez besoin, peut-être qu'il y a de la peine en lien avec un déplacement. Il peut s'agir d'avoir besoin de compréhension en lien avec un déplacement. On nous parle en tout cas ici de quelque chose qui va toucher vos émotions, votre enfant intérieur. Avec le rose ici, on retrouve tout ce qui est en lien avec l'amour. Il peut s'agir d'un déplacement, un voyage en amoureux, quelque chose que vous prévoyez à deux. Et on nous parle également d'une période où vous attendez quelque chose sur le plan d'une amitié. Vous attendez des signes et des messages qui vous sont envoyés. Donc ça, c'est les vibrations qui vont ressortir pour cette journée à venir. Alors, on va continuer ce tirage. Nous avons le changement, la fatalité et l'enfermement. Cette carte symbolise les compromis. On sent que sur le plan familial, vous avez besoin de régler quelque chose. On nous parle de changements qui se mettent en place par rapport à un événement en particulier, par rapport à quelque chose qui a été important pour vous. Et on nous parle d'une période ici où vous allez trouver une conciliation, vous allez trouver quelque chose qui rétablit une situation. Vous allez certainement négocier quelque chose pour vraiment harmoniser ce que vous ressentez, harmoniser une situation. Alors, on va prendre un petit message de celui-ci pour voir ce qui ressort. Je vais juste prendre celui-ci. Hop, voilà. Quel est le message pour ce jour ? Nous avons le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc là, vraiment, il s'agit du bonheur, il s'agit de fruits que vous allez récolter après un travail approfondi, après quelque chose que vous avez apporté dans votre vie, dans vos projets. Vous avez créé quelque chose, vous avez créé une énergie. Donc ça, c'est des énergies qui vont être ressenties. Donc les amis, je vous laisse vous poser une question qui est importante pour vous et on va voir ce qui ressort pour ce tirage. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir à une demande. Alors, on mélange. Quelle est la réponse à votre demande ? Nous avons amélioration de l'état de santé. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à votre état, votre corps, votre mental, vos idées. Il y a quelque chose qui, pour cette journée à venir, va rétablir ce que vous ressentez intérieurement. Donc il y a vraiment une énergie de guérison intérieure, de lâcher prise, de prise de conscience et d'éveil. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère qu'il a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'énergie positive. Je vous fais de gros gros bisous, une très belle journée à venir et je vous dis un grand merci !